Salut tout le monde, c'est Larkbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu de la semaine qui est le jeu de la semaine d'ailleurs, il est sorti ce mercredi parce qu'on a eu un tout petit retard et du coup voilà, ça sort ce mercredi, c'est pas genre ça va pas ressortir après tous les mercredis, ça sera le dimanche. Il y aura mercredi prochain vu que lui on veut le faire pendant une semaine entière pour pouvoir ensuite d'ailleurs, on va justement poster des vidéos sur ce jeu sur la chaîne de Futurim Athletic que vous regardez peut-être en ce moment. Des vidéos gameplay sur ce jeu, donc juste avec le son du jeu et peut-être des musiques, on verra. Donc là, on est sur le jeu Split Gate, comme c'est marqué en haut. Et ce jeu, en fait, c'est un jeu de tir à la première personne. Et en fait, on incarne ce personnage ou alors on... Si on débloque des skins, on a voilà ici tout ce qu'on peut mettre. Si on sélectionne un élément, faut bien appuyer sur l'équipe, sinon ça équipe pas. Et ça change rien. Après, il y a pour les serveurs là, choisissez votre serveur, vous cliquez, vous mettez. Donc moi c'est Europe, je mets Europe. Choisissez le serveur le plus proche quoi. Ensuite, on a carrière. Donc ça, c'est pour les niveaux. Vous pouvez gagner des niveaux en tuant des gens. Vous avez vos statistiques en plus à droite. On peut voir que moi j'ai tuer personne, je me suis fait tuer 73 fois, je suis vraiment très nul. Dommage delta reçu je crois 114 et j'ai, il n'y a pas de dommage donné, non je vois pas. Ok, j'ai gagné aucune partie du coup parce que c'est voilà, j'étais en free for all et du coup il faut être premier pour gagner, mais vu que je suis jamais premier, on a le sort aussi mais il est pas encore prêt ça. Voilà, item shop coming soon. Et du coup pour le reste, donc là, locker avec tous les éléments, jetpack et tout. Le jetpack, je vais vous montrer comment l'utiliser aussi. J'ai vu juste comment faire un double jump en réalité à peu près. Portal gun, donc voilà, donc là vous avez plusieurs structures, enfin plusieurs designs. Et là l'emblème, c'est ce que j'ai mis là, J et G. Voilà, je l'ai trouvé plutôt cool. Et gender. Oh là! Ah, il y a la corpulence qui change, ok. Bon, on va rester mal vu que je suis un homme. Et on va passer à play. Donc là, on voit aussi le niveau. On peut rajouter nos amis si on veut. Nos amis qui sont en fait sur Steam. Vu que c'est un jeu sur Steam, je mets le lien en description. Et on est parti, donc play, ranked, free for all. Donc je vais pas vous montrer les autres modes de jeu en plus, j'ai pas joué encore. Mais du coup, voilà. Pour le premier mode de jeu, sachant que moi, je lag quand même pas mal, donc si vous voulez vraiment du jeu qui ne lag pas, vous aurez les... enfin, qui ne lag pas ou qui lag moins, largement moins normalement, vous aurez les gameplays qui vont sortir cette semaine sur la chaîne de Future Imaginity, donc jusqu'à mercredi prochain, et sans doute un peu après aussi, principalement jusqu'à mercredi prochain du coup. Donc c'est un jeu où il y a 100 000 joueurs dessus déjà. À ce que j'ai pu entendre, peut-être que c'est faux parce que j'ai pas vérifié les joueurs, enfin les chiffres, mais en tout cas il est sorti il y a pas longtemps et il y avait pas mal de vues sur le trailer déjà, et en plus de ça il y a pas mal de gens à chaque fois dans les parties, donc c'est plutôt cool ça. Bon, je vais vous reprendre dès que je serai en jeu en tout cas. D'ailleurs, tant qu'on y est, tant qu'on est en attente, en plus on a les paramètres, donc là pour les contrôles. Voilà, donc la vidéo, voilà, donc ça c'est tout ce qu'il nous faut. Moi j'ai mis vraiment au minimum pour que ça puisse être jouable, sinon c'était pas du tout jouable en réalité. Et après du coup là vous avez le volume, vous avez le volume de l'annonceur. Donc ça en gros il y a des annonces qui vont être propagées. Et je vais vous montrer juste rapidement les contrôles qu'il y a en termes de touches pour lancer un portail. Il y a une touche différente pour fermer le portail. Donc portail gauche et droit, lancer, fermer. Ok. Alors, c'est presque parti, voilà. On va juste montrer les keybindings. Voilà, donc c'est là. Vous cliquez sur votre élément et vous mettez la touche que vous voulez. Voilà. Et on a les portails juste ici, donc c'est par catégorie. Mouse 2, donc moi c'est parce que j'ai une souris spéciale, c'est juste un bouton sur la souris, et vous avez d'autres éléments pour fermer les portails. Voilà, donc je suis mort. Ok, on va voilà, on respawn au moins.
Donc voilà, alors là, je lag pas mal quand même. On va essayer de... Voilà, on va mettre un... Voilà, le portail, moi, ça met... Putain. Par contre, ouais, du coup, les portails, vous pouvez les mettre que sur ces structures-là. Les structures bleues, quoi, en fait. Voilà, sinon, vous ne pouvez pas les poser. Et là, par contre... Oh, ouais, ok. Ah ouais, on voit le plafond. Et vous pouvez tirer à travers les portails aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut... Non, si, oui, on peut. Ouais, on peut passer par là. Ok. Putain, ça lag encore plus que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ok, alors, du coup... Où sont-ils? Je vais tuer personne, en réalité. C'est quasiment sûr et certain. Je vais peut-être rester planqué, je crois. Non, en vrai, non, je vais... Merde, je vais essayer de pas rester planqué. Mais, hop, si on essaye de... J'ai jamais réussi le kill, comme ça. Mais si on essaye... Voilà, le portail a une portée vraiment infinie. Voilà, vous voyez, là, je l'ai envoyé hyper loin. Et là, j'ai le deuxième portail. Donc... Oh! Apparemment, il y a un portail d'un autre mec. Parce que, du coup, c'est d'une autre couleur, les portails des autres mecs. Merde. Allez, il faut être en face. Shotgun! Oh, toi, ramène-toi! Merde. Il a fait quoi? Il a désactivé mon portail? Merde. Attendez. Ok, je crois qu'il l'a désactivé. Je sais pas comment il a fait. Aïe! Putain! Il m'a surpris. Ouais, peut-être la sensibilité de la souris. Non, ça lag. Ça lag trop, c'est pas la sensibilité seulement. Voilà, et du coup, vous pouvez tendre des pièges. Donc, je vous mets le trailer du jeu aussi en description. Parce qu'il y a, des trucs intéressants à faire avec les portails qui mettent dans le trailer. Moi, vu que je n'ai pas une très bonne connexion, je peux pas trop les faire. Mais du coup, dans l'idée, vous pouvez les faire. D'ailleurs, si... Est-ce qu'on peut remplacer le portail? Non, ok. Si vous avez... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Si... J'ai oublié ce que je voulais dire. Aha! Il y a... Une sortie. Et... Il n'y a pas de mec là-bas. Ok. Non. Oh! Oh putain, je suis dit... Oh! Oh! Est-ce de la chance? Non! Pourquoi je tire sur un poteau? Oh, il y avait un mec en haut à droite. Ok, je comprends mieux pourquoi. Ok. D'ailleurs, vous pouvez customiser votre skin comme vous voulez. Ah! Il y a trois parties sur le skin. Me tue pas, espèce de salaud. T'es où? Merde, putain, je suis descendu comme ça. Il y a trois parties sur le skin, la tête, enfin trois parties de corps quoi. La tête, le plastron et jambière plus bottes qui font une seule partie. Voilà. Ah, il y a des gens. J'ai envie de tuer un mec, mais d'ailleurs en fait dès que vous visez un mec et que vous êtes dessus, le viseur devient rouge. Ah. Bon, si votre... Oh non! Voilà. Si votre vue entière devient rouge, c'est pas bon signe par contre, mais si c'est juste votre viseur, et eh ben, oh! Ça veut dire que vous pouvez viser un mec. Ah. Il y a un mec à droite. Merde, il vient de se faire tuer. J'aurais bien voulu le tuer. Là d'ailleurs, l'arme qu'on a de base, c'est une arme... C'est une mitraillette, voilà en fait. Donc bon, faut juste faire gaffe parce que du coup dès qu'on tire un coup, même plusieurs, ça nous décale le viseur. Donc après, faut bien le remettre au bon endroit. Alors, où est-ce qu'il y a des... What? C'est quoi ça? Il y a... Non, il n'y a pas moyen. Ok, il n'y a pas moyen de... D'accord, il n'y a pas moyen de passer par là. Là, on va poser le portail. Juste là. Et... On a moyen. Ah! Quel salaud! Je ne sais... Oh! Je sais pas où il est. Et là, ouais, du coup, on peut régénérer. Y a un mec là-bas ou pas? Est-ce qu'il y a un mec? Si je le vois de loin, j'essaie de lui tirer dessus. Mais encore faut-il le voir de loin. Non, quel... Ah putain, j'ai pas eu le temps de m'orienter mon viseur. Le mec m'a détruite. Oh! Viens là, viens là. Montre ta tête.
Putain. Vous serez sans doute beaucoup plus chaud que moi. Mais bon, moi je vais excuser le fait. Aïe! Que c'est ma connexion. Bon, c'est aussi que je suis pas placé au bon endroit. Sniper rifle, voilà. Moi c'est la touche G. Pickup de base, c'est pas mis. Et ça vous permet de changer d'arme. Juste pour le moment où vous allez prendre. D'ailleurs, vous pouvez changer l'arme de base que vous avez aussi. Non, pas là. Au début. Oh, on n'est plus que 4. Attendez. Si on appuie sur tab, déjà on voit que j'ai fait 0 kill. Oh! Je suis pas le plus nul. Je croyais que les mecs ils faisaient minimum 10 kills. Non, non, il y en a un qui fait 3 kills. Mais après derrière, c'est quand même un niveau au-dessus de la moyenne. Non! Non! Putain! Je suis encore mort. Il devrait faire en sorte que ce soit plus compliqué de nous tuer. Plus long en fait. Là c'est trop rapide. Je mets fin à mes jours trop rapidement. C'est... Putain. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je monte cet escalier. Je pose un portail là-haut. Et je tire. Et il y a un mec. Non. Il y a personne. Ok. Oh! Non, ça sert à rien. Ce portail ne sert à rien si je le pose là-bas. 5 minutes restantes. Parfait. Ah, merde, on traverse les textures. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Si, c'est bon, on monte au-dessus. Ok. Alors, où vous cachez-vous? Vous êtes, ils sont plus. Oh! Là-bas, il y a un mec. En vrai, moi, j'utilise les portails ou non, ça change rien parce que j'ai les portails ou non, je lag un peu trop pour les utiliser correctement. Là, on le voit juste en marchant, en fait. Enfin, non, là, je cours. Oh! Il y a un Jean là-bas. Enfin, un Jean. Il y a un Jean là-bas. Viens là, Jean. Oh! Par contre, ne tue pas. Quand je te dis viens là, c'est pour que je te tue, c'est tout. Non. Ok. Viens là, mon Jean. T'es où? T'es là-bas. Game over. Ah, merde. Defeat. Je suis mort. J'ai perdu. Donc voilà pour le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos gameplays sur ce jeu. Ça nous ferait très plaisir de les voir. Et en même temps, on va pouvoir les publier sur la chaîne YouTube de Future Imagility pour les partager au plus grand nombre. Donc, le must, c'est que la qualité soit bien. Que, en deuxième lieu, en fait, ça soit juste le jeu. Il n'y ait pas votre voix. Et en troisième lieu, non, en fait, je crois qu'il n'y a pas pour désactiver le son des autres au début. Ah si, ça doit être VoIP. Bah, à la limite, désactiver le VoIP en plus, si vous pouvez. Et une petite précision, dès que vous allez voir dans Locker, non, dans Carrier, voilà, dans Carrier, vous allez voir Replay. Vous allez vous dire, oh tiens, on peut peut-être enregistrer directement là-dessus, ça va moins laguer. Et ben, en fait, j'ai pas trouvé comment on faisait pour convertir ce fichier, qui est un fichier .replay, en MP4. Parce que si on fait play, c'est pas un fichier normal de vidéo. Hop, voilà. Si on le charge, bon, rapidement. Ce fichier-là, c'est un fichier qui, bon, là, du coup, on a juste vu dans le vide, on peut se déplacer comme on veut. Donc voilà, on a toute la map, tous les coins de la map pour le record. On a en plus, si on fait POV, on a les joueurs comme on veut. Donc là, on peut voir les joueurs qu'on veut. Mais le petit souci, c'est que je n'ai vu de bouton pour mettre en MP4 nulle part. Vraiment, genre ça fonctionne pas, ça non plus. Voilà, donc si vous trouvez à la limite, bah mettez en MP4 là-dedans. Mais faites des tests avant, quoi. Vous faites pas avoir à essayer de nous envoyer vos records en faisant vos records là-dessus, quoi, comme ça. Donc, voilà, donc on va pouvoir retourner au game menu. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne de Darkbo que vous êtes peut-être en train de regarder. Et la chaîne de Future Imagility. Aussi, on fait des jeux de la semaine tous les dimanches à 9h, ça sort.
pour le moment, c'est pas encore sorti à 9h vu qu'on n'a pas encore bien réussi à mettre le rythme. Mais ça va bientôt sortir à 9h. Donc pas le prochain comme j'ai dit, mais celui d'après sortira à 9h le dimanche. Donc restez informés et abonnez-vous aux deux chaînes si vous voulez. Surtout que sur la chaîne de Future Imaginative, vous aurez des gameplays des jeux de la semaine. La semaine justement qui suivra. Donc en gros, le dimanche, on publie la vidéo. Et la semaine qui suit, jusqu'au dimanche d'après, vous aurez des vidéos sur ce jeu en gameplay. Donc les jeux de la semaine, c'est à mercredi prochain pour le moment. Donc mercredi 15h, le mercredi prochain. Et sinon, pour mes vidéos à moi, donc Dark Boss, c'est vendredi la prochaine à 18h. Donc je vous dis à vendredi pour Dark Boss et à la semaine prochaine pour Future Imaginity. Sur ce, c'était Nagbo de Future Imaginity, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!